Hello la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce scrunchie au crochet. Très facile et très simple à réaliser. Comme matériel, nous aurons besoin d'une paire de ciseaux, d'un élastique, d'un crochet de 4 mm et de deux couleurs de fil. On va commencer par le noir. On va attacher un autre élastique comme ceci. Ensuite, on va faire des mailles serrées. On fait une maille coulée. Ensuite, on va faire des mailles serrées tout le long. On fait une dernière, une maille coulée. Et on a terminé. Maintenant, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va sauter 1, 2, 3 dans la quatrième. À l'intérieur de notre maille. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. On compte 1, 2, 3. Dans la quatrième maille. À l'intérieur de notre maille, comme ceci. On fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on compte 1, 2, 3 dans la quatrième maille à l'intérieur, comme ceci. Une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 4, à l'intérieur, une maille coulée. Notre dernière maille coulée. On fait une maille coulée ici. Une maille en l'air. On tourne le travail. Maintenant, on va travailler ici à l'intérieur. On va maintenant faire 4 mailles parce qu'on a fait une maille ici en bas. 1, 2, 3, 4. Dans la même maille, que celle-ci, on fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5.
dans la même maille. Une maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la même maille. On va faire ça tout le long de notre chiffon. Une maille serrée, comme ceci. Et vous voyez ce qu'on a obtenu. Maintenant, on va travailler, on va faire des brides ici à l'intérieur. Ensuite, on traverse de ce côté. Après, on va laisser ceci. On vient travailler de ce côté avec la couleur noire. Allons-y. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air. Ensuite, on va faire des brides. 2. On fait autant de brides que l'on veut dans notre espace. Ensuite, on va venir de ce côté. On vient ici. Une maille serrée. Et on va faire des brides. Autant de brides qu'on veut. Voilà, dès que notre espace est plein, on passe au suivant et on vient travailler de ce côté. Donc on laisse l'espace et on vient travailler de ce côté. On fait une maille serrée, comme ceci, puis on fait des brides. Dès qu'on remplit, voici comment on travaille. On vient ici au suivant et on va travailler de ce côté. Une maille serrée. Puis on fait des brides à l'intérieur de notre espace. Dès qu'on a fini, voici où on était, on passe au suivant et on va travailler maintenant de ce côté. Une maille serrée. Et on va faire des brides à l'intérieur. On va travailler comme ça jusqu'à ce qu'on atteigne notre bout. Donc vous voyez, ça nous fait les zigzags. Ça part comme ça, comme ça.
On se retrouve juste après. On a fini. Maintenant, on va faire une maille coulée, comme ceci. Une maille en l'air et on va couper le fil noir. Voilà. On va le cacher après. On va commencer avec celui-ci. On va faire deux mailles en l'air. Une, deux. Toujours dans le même espace, on va faire des brides. Voilà, on va venir ici. Dès qu'on finit avec notre premier espace, on vient ici. On fait une bride, comme ceci. Jusqu'à ce qu'on remplisse l'espace. Maintenant qu'on a fini, on va passer de ce côté à l'autre espace. On fait une bride. Voilà. Maintenant, on va venir dans l'autre et on va faire comme ça jusqu'à ce qu'on termine avec nos espaces. Voilà. On change encore. On se retrouve lorsqu'on aura terminé. Et on va faire une maille coulée.
une maille en l'air et on va couper le fil. Et on a terminé avec notre chuchu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce en l'air, à vous abonner, à partager et à me laisser vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!